Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, épisode 10, on continue notre aventure dans Need for Speed. Donc du coup, juste avant d'enclencher mon enregistrement, qui a merdé d'ailleurs précédemment, je regardais les voitures et en fait je me disais que peut-être la Lamborghini qui vaut 100 000 et par rapport à ses caractéristiques, on va peut-être pas économiser pour l'acheter parce que effectivement nous on est déjà à 7 d'accélération et 7 8 de contrôle et elle finalement elle a des améliorations, enfin elle est pas améliorée mais d'origine elle est pas hyper puissante, ce qui fait que bon il faudrait encore améliorer de 1 ou 2 niveaux pour qu'elle soit déjà au niveau de celle-ci qu'on a déjà. Donc du coup on va essayer de continuer le jeu comme on est là et essayer de se débloquer la voilà celle-ci qui va se débloquer au rang 12 qu'on aura atteint, la McLaren, qui elle déjà est presque à 7 en vitesse maximale et 7 en accélération, et déjà 7-6 en contrôle, ce qui fait que dès qu'on va la monter déjà de un niveau en mécanique, eh bien elle sera déjà très puissante. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va garder notre Ferrari pour avancer. Voilà, donc du coup, ben voilà. Ensuite, ben vous voyez, j'ai mis ma date de naissance hein, sur la carrosserie, le chiffre 13. Donc du coup, je l'avais fait tout à l'heure en enregistrement, mais j'avais mon son qui arrêtait pas de couper. Et du coup, quand vous avez des petites coupures de son, j'ai compris d'où ça vient. C'est quand ma console se connecte à Internet ou qu'elle télécharge. Et du coup, tout à l'heure, j'avais lancé un gros téléchargement. Et pendant tout le gros téléchargement, il m'a été impossible de faire un enregistrement. Donc voilà, ça vient de... Si j'ai des petites coupures, ça vient de quand la console se connecte peut-être pour télécharger quelque chose. Voilà. Donc du coup, sur nos objectifs qu'on a à droite, hein, ben, on va essayer de se faire un contre-la-montre. Hein, donc en médaille d'or. Là, j'ai celui-ci qui est vert. D'ailleurs, c'est le seul qui me reste en vert que j'ai pas fait. Et du coup, on va essayer de se le faire en médaille d'or. Allez, on est parti. Alors, pendant ma précédente vidéo qui a complètement merdé, du coup j'avais monté l'accélération parce qu'on avait un peu de sous et qu'on n'achetait pas la Lamborghini. Donc du coup j'ai préféré monter l'accélération parce que c'est important dans les virages ou quand on doit reprendre de la vitesse. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai un petit peu amélioré pour voir ce que ça va donner dans les prochaines courses et les prochains défis que l'on va faire. Allez, contre la montre, hein, on se bat contre le temps. Il faut qu'on atteigne la ligne d'arrivée. Tracé sur l'itinéraire avant 2 minutes 24 qui est le temps visé. Allez, on y va. Les contre-la-montre, c'est quelque chose qui est voilà, super stressant parce qu'effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur. Dans une course, on peut se planter, mais les contre-la-montre, on n'a pas le droit à l'erreur parce que le temps, lui, il défile. Les adversaires ou la police, eux, ils peuvent se planter. Mais nous, le temps, lui, il nous fait pas de cadeau. Dégage, hein, je sais pas qui c'était. J'avais pas l'impression que c'était un flic d'ailleurs. Mais alors il s'est mis au milieu de ma route, cet enfoiré. Allez, logiquement, le temps, il est un petit peu large. Donc si j'essaye de prendre un petit peu mes précautions, on va enclencher un petit boost quand même, parce que depuis tout à l'heure, j'y pense pas. Mais si je prends un petit peu mes précautions dans les virages pour essayer de pas me planter, de pas me tromper d'itinéraire, on devrait décrocher la médaille d'or. Donc j'ai bien dit si je fais attention, ce qui n'est pas le cas là par exemple, vous voyez, je me suis bien fait avoir. Allez, on va dire qu'on a une marge d'erreur d'une dizaine de secondes peut-être. Donc on est peut-être toujours dans les temps. Et on va voir si on arrive à finir ce défi. Allez, je continue. Je suis plutôt pas mal. J'espère que je vais pas... Honnêtement, il faudrait pas que je me replante comme je viens de faire. Ça serait un peu ballot. Oh, le frein à main, il est super super actif, quoi. Du coup, j'ai voulu mettre un coup de frein à main, mais perdu un petit peu de temps. Allez, c'est pas grave. Ouais, donc mes vidéos quand le coupe, voilà, j'ai compris tout à l'heure en fait que ça venait des téléchargements. Il m'a été impossible de faire une vidéo tout à l'heure, j'avais le son qui arrêtait pas de couper. Et du coup j'ai eu peur, j'ai dit bon mais ça y est, ça fait que merder, je vais plus arriver à faire une seule vidéo. Et du coup non, c'est bon, ça a été. Donc ça reprend, donc c'est vraiment, j'avais téléchargé des gros téléchargements de démos ou autres.
Donc du coup voilà. Allez, ligne d'arrivée est là, 2 minutes 18. Wouhou, médaille d'or. Voilà, donc c'est bien ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez, on a une petite marge d'erreur. Mais elle était un petit peu minime, hein. Vous voyez, je ne l'ai pas fini non plus avec beaucoup de... Bah, je me serais planté, il faut dire ce qui est, j'aurais été déjà dans le rouge. Allez, on va chercher une maison sur la carte. Hein. Hop, une petite cabane, pas très loin. Oula, j'ai un voisin, je crois, qui vient de rentrer dans une voiture. Je sais pas si le bruit s'est entendu au micro, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû reculer, il a dû rentrer dans quelque chose. Mais ça va, vu d'où venait le son, c'est pas là où je suis garé moi, donc je m'en fous. Allez, putain, le flic il me colle au cul. C'est vraiment un enfoiré. Regardez-moi, je vais balancer une onde de choc. Dégage. Hein. Et en plus, il est tenace. Hein. Redégage. Hein. Voilà. Oula, et il est énervé lui. Oh, wow, calme-toi. Calme-toi. C'est vraiment des fous furieux, les flics, quoi. Ah, ils me font délirer, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment à l'américaine, quoi, ce jeu, quoi, parce que... T'es dégage. Voilà. Hop, le barrage. On s'en fout, on arrive à le passer. Il n'y a rien de bien compliqué pour l'instant. Mais l'autre, c'était un acharné, quoi. Hop là, j'aurais pu passer là. Oh, l'enfoiré. Oh, le sale enfoiré. Alors, attendez, on n'est pas... D'accord, on est arrêté. Alors là, je suis tombé sur un gros acharné, mais alors un truc de fou, quoi. Le flic tenace qui s'est dit, lui, je veux le choper, je veux l'arrêter. Bon, ben écoutez, je crois que ben, on l'a dans le cucu. Les sous qu'on avait, je crois qu'on avait 15 000 ou pas loin de 20 000. Je me rappelle plus, parce que j'ai jeté un œil vite fait. Et du coup, peut-être qu'on a tout perdu. Et si on n'a pas perdu nos sous, eh ben, je serai sur le cul. Allez, regardons ce que ça donne. Hein. Ah ouais, le flic il a tout pris. C'est vraiment des enfoirés quoi. En fait, on leur donne notre pognon quoi. Et ils en font quoi de notre pognon? Voilà, donc 0 SP. Super, on n'a pas gagné de pognon. Je suis vraiment dégoûté quoi. Bon, allez, dans tous les cas, on a au moins atteint notre objectif qui était médaille d'or sur contre-la-montre. C'est déjà plutôt pas mal. Et voilà, ben, je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 11. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à plus. Ciao ciao!